Le prochain invité, mesdames et messieurs, c'était pas juste mon coloc dans Big Brother, mais c'était aussi genre mon support system. J'aurais jamais duré dans l'aventure sans lui pour de vrai, mesdames et messieurs. Accueillez Martin Vachon! Oh yeah, bonsoir tout le monde, ça va bien? Cool! Yeah! Je vais essayer de blanchir les dents. J'avais tellement hâte de vous le montrer, j'ai fait ça dernièrement. Hey, cette semaine, pour vrai, j'étais tellement excité. Mon facteur est passé devant la maison. Moi, je suis sorti, j'ai comme « Allô? » T'en remarques rien? Il est comme « Ben ouais, hein, t'es tout nu. » Ben oui, je me suis fait blanchir les dents parce que, bon, vous devez comprendre quelque chose. Moi, dans la vie, je l'ai eu vraiment pas facile niveau dents. Pour vrai, moi, j'ai tout eu pour mes dents. La preuve à quel point je l'ai pas eu facile, 2 semaines avant de rentrer dans la maison de Big Brother, j'ai perdu mes palettes. Ah oui, et les palettes, voyez là, sont pas à moi. Mais dans le sens qu'elles sont fausses, pas dans le sens, je sais pas, sont à qui. Il y a personne qui me regarde ici t'asseoir en disant, « Hey, c'est à moi, ça! » Quand j'étais jeune, j'ai cassé mes palettes et à partir de là, ça a été l'enfer. Ma vie niveau dents, pour vrai, moi, j'ai tout eu, là. J'ai tout eu les appareils inimaginables. Gang, j'ai eu le headgear. Tu sais, avec la strap en arrière puis la grille. Le fantasme de toutes les filles au secondaire. Comment, quelle fille a jamais rêvé de frencher un radiateur? Mais je suis chanceux, j'ai pas eu des broches longtemps, mais assez longtemps pour vivre ce que tout le monde qui a eu des broches ont vécu quand ils m'ont enlevé mes broches. Pendant des jours, j'arrêtais pas de faire ça. Ah, c'était lisse, hein? Je faisais tout le temps ça. Tout le temps, à grande confusion de mon professeur de pastoral que je regardais de même. Alors, pour vrai, je l'ai pas eu facile. J'ai eu le traitement de canal, enlever les dents de sagesse. Et là, 2 semaines avant Big Brother, il faut changer mes fausses palettes. Et ça, tes fausses palettes, tu en chaud 20 ans. C'est comme un toit, tu sais. Et là, quand il t'échange, pendant qu'il prépare tes nouvelles, il te donne des palettes temporaires, des palettes de courtoisie. Et là, moi, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, j'ai croqué dans une barre tendre qu'il faut croire n'était pas si tendre que ça. Et peu, mes palettes sont restées dans barre tendre. Mais moi, au début, j'ai pas vu, mes palettes étaient poignées dans barre tendre. Moi, je pensais que je les avais avalées. J'étais comme, oh non, me voyais devant mon dentiste. Ouais, tes palettes de courtoisie, il va falloir que tu sois patient avant de les avoir. Mais là, la minute, vous riez, mais moi, gang, le lendemain, je tournais une pub pour un concessionnaire automobile. T'achèterais-tu, toi, un char d'un gars pas dedans? Ici Martin Fafon. Avec ou pas de palette, je peux vous dire, cette voiture-là est palette. Oui. Mais là, c'est 2 semaines avant de rentrer à Big Brother, je capotais. Imagine, Big Brother, pas de palette. Le monde qui regarde ça à la maison, Simonac, les épreuves sont rough cette année. J'appelle mon dentiste en panique, tu sais, il me dit hey, « je peux pas te voir aujourd'hui, je vais te voir demain matin. » Gang, j'ai passé une journée pas de palette! Oh non, gang, ma blonde était incapable de me regarder sans rire. T'as plus de palette! T'es comme le contraire d'un castor. Hey, j'arrive le lendemain chez le dentiste avec mes dents dans un petit plat de plastique, il pose ça. Ça prend 1 heure, j'ai la bouche gelée. Et à la fin, il dit une phrase que j'oublierai jamais de toute ma vie. Il dit « Bon, Martin, c'est fini. Fais pas le saut. Je t'ai mis des dents un peu plus longues. » Hein? Ouais, tu vois, ça va être plus beau. Je t'ai mis des palettes un peu plus longues. Là, longue comment, là? Non, 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 non. Moi, j'ai pas payé pour enlarge your palette, là, hein? Mon dentiste, il dit « Regarde, Martin, retourne chez vous pendant 48 heures, juste voir comment tu te sens. » Comment je me sens? Je me sens comme un gars qui va googler dentiste mis en demeure. C'est comme ça que je me sens. Il dit, Martin, personne ne va s'en rendre compte dès que j'arrive chez nous, ma blonde. Yeah, tabarouette! Quand j'ai dit, t'étais le contraire d'un castor, fallait pas que tu le prennes de même? Ouais, c'est tellement long, gang, je sautais. J'ai essayé de faire l'exercice de diction avec un crayon de bois dans la bouche, mais ça faisait brindisi partout par terre. Hey, moi, le lendemain, je me retourne chez le dentiste. Pas vrai, je vais vivre avec ces dents-là. Puis j'ai bien fait, hein, parce que quand je suis arrivé chez mon dentiste, j'ai vu un écureuil me faire un clin d'œil. Et là, je suis à la chaise. Mon dentiste, juste avant de m'élimer, il dit « T'es sûr que tu veux que je t'élime? » Parce que tu sais que chez les animaux, la longueur des dents, c'est ça qui détermine c'est qui le chef.
Ouais, puis on s'en fout, si on applique ça aux humains, ça veut dire que le premier ministre du Québec devait être Denis Drolet à palette. Ça serait beau, ça. On paye plus d'impôts. Ah! Hey. Finalement, il m'a limé, la longueur était bonne. Et là, suite au blanchiment, pour la première fois en 25 ans, j'ai plus rien à faire sur mes dents. Je peux enfin être fier et les montrer. Parce que quand t'es fier de quelque chose, tu sais, c'est ça que tu fais, tu le montres, ces réseaux sociaux. Mais avec tes dents, tu fais pas ça. À la place, t'écris un numéro d'humour là-dessus, tu viens flasher tes dents à télé. Oh yeah!